peux faire appel à ce qu'on appelle la numérithèque du département, c'est-à-dire que tout matériel qui est ici, le collège peut l'emprunter et vous pouvez l'utiliser vous en tant qu'élève. On va voir spécifiquement aujourd'hui l'impression 3D. Ce que vous pouvez faire avec une imprimante 3D comme celle-là, c'est que vous faites votre fichier comme vous avez déjà fait à l'école, mais c'est votre fichier à vous, ça n'appartient à personne d'autre, et vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de prendre ce qu'il y a dans le commerce. Si vous avez un truc qui est cassé à la maison, vous le modélisez, ou éventuellement vous scannez. Je vais vous faire passer quelques trucs. Alors celui-là, c'est pas mal, celui-là, c'est surtout parce qu'on va voir à l'intérieur comment c'est rempli. On sait qu'il fait telle dimension, et on sait surtout qu'il va faire 5 grammes de fil. Il va y avoir 1,93 m de fil, et que ça va demander 35 minutes d'impression. Ce qui est important, c'est voilà, on a un travail en communauté, on partage en open source, on est des makers, on fait, on partage, on gagne du temps. Mais d'un autre côté, bah, ce qu'on fait, ça peut ne pas marcher. Alors est-ce que ça ne marche pas, c'est un échec? Non. Non, ça marche pas, on sait que ça marche pas, on va faire autrement pour que ça marche mieux. La culture est différente. La vision des choses est différente. Ça, c'est important d'intégrer. Alors si vous regardez en dessous, vous voyez le filament, il commence déjà à goûter. Ça part tout doucement, là elle va chauffer, hop ça c'est parti, et elle va s'approcher. 13 minutes même. Ça y est, elle commence. Donc là on arrive sur la zone des cheveux, donc il est en train de modéliser sa coupe. Alors il a des cheveux tout en piquant, ça fait nébuleux. Donc pour le scanner c'est pas évident. Voilà. Hein. Donc là, il y a une zone où il n'arrive pas à... Voilà, alors vous avez vu, il est devenu rouge. Donc c'est, il dit attention, ça va pas. Donc là, je m'éloigne pour faire son coup. Donc vous avez la figure 3. D'accord. Vous ne pourrez pas l'imprimer. Vous ne pourrez pas parce que sinon ça ferait ça aussi. Lui, il a une fonction qui s'appelle solidifier. Qui va boucher, qui va boucher tous les trous en fait. Bah, si on regarde comme ça, on voit qu'il est vide. Ah, ouais, tu vois, ça serait pas mieux.